Hello les amis, débrief de Montpellier Paris Saint-Germain, le match vient de se terminer, on vient de gagner 4 buts à 0, 4 buts à 0, but de 2 buts de Messi, un but de Di Maria et un but de Kylian Mbappé sur penalty. Donc retenir ce match, bah, qu'on a fait vraiment, c'était un excellent match, je me suis pas ennuyé. L'équipe a super bien joué, on a vraiment maîtrisé le match pendant 90 minutes, c'était vraiment super match, à part deux petites erreurs de Donnarumma en première mi-temps. Mais sinon le match a été correct, vraiment on a vu un grand Di Maria. Vraiment, il faut que les dirigeants du PSG le gardent, qu'on le prolonge encore une saison, parce que franchement, le match qu'il a fait a été exceptionnel. Mbappé fait deux passes d'ess. Il sera donc normalement meilleur passeur de Ligue 1, meilleur buteur. Il a un but d'avance sur Wissam Ben Yedder. Donc voilà, franchement, super match du PSG ce soir. Je me suis régalé. Le trio offensif a été exceptionnel. Avec le premier double en Ligue 1 de Messi. Et on peut se poser la question d'ailleurs, ce trio-là, Di Maria, Messi, Mbappé. Franchement magnifique. Je me demande si vraiment Neymar ralentit pas le jeu parce que là il est pas là ce soir. Alors après tout mettre sur Ney, mais franchement c'est une constatation. Il est pas là ce soir. Ça va vite. Il y a des occasions, on s'ennuie pas. Ça joue franchement au ballon. On s'est fait plaisir. Un Sergio Ramos exceptionnel. Un Juan Bernat au top. Franchement exceptionnel match. Moi j'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. On a vu un super Paris Saint-Germain. Vraiment c'était vraiment top, exceptionnel. Avec voilà, ça a joué, ça a combiné, Léo Messi est exceptionnel. C'est dommage. On a presque des regrets. On a quand même des gros regrets à voir ça, quoi. Parce que on a quand même des regrets à voir que le Paris Saint-Germain, malheureusement, on n'a pas joué comme ça cette saison et c'est dommage. Parce que franchement, on aurait fait un match, on aurait fait une saison, mais hors norme. Si l'équipe aurait joué comme ça aurait été vraiment exceptionnel. C'est quand même dommage de pas avoir joué comme ça parce que franchement là le trio sont offensif, le milieu de terrain, la défense, Marquinhos, Sergio Ramos, c'était exceptionnel. Même si j'ai trouvé un peu Donnarumma sur deux sorties et un dégagement pas terrible en donc comment dire en première mi-temps, c'est juste exceptionnel le match qu'on a fait Paris ce soir et c'est quand même dommage que Paris on n'a pas réussi à jouer comme ça toute la saison avec un Léo Messi qui ce soir a provoqué, a dribblé, a bien joué, a mis deux beaux buts. J'ai bien aimé son deuxième. Kylian qui fait deux passes d'ess ce soir. C'est excellent. Enfin, on a fait un super match par exemple ce soir. Et c'est vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. Est-ce que Neymar doit rester au club? J'en sais rien parce que franchement, quand on voit ce soir, le club a vraiment, l'attaque a vraiment bien fonctionné. Voilà, toute l'équipe, moi je leur mets un 10 ce soir. Alors les gens vont dire, ouais, c'était contre le Real Madrid, c'est bon, c'est fini, c'est du passé. C'est du passé. Maintenant, il faut se tourner sur la saison prochaine. Là, on gagne 4-0 à Montpellier. C'est quand même à l'extérieur. On a fait un gros match. Les joueurs ont. Bon, pour une fois, on s'est pas ennuyé. Ça faisait longtemps. On a quand même mouillé le maillot. On jouait. Moi, ça m'a fait plaisir ce soir. J'ai retrouvé un peu un PSG avec un collectif hors norme. On était intouchable. J'ai l'impression qu'on risquait rien ce soir. Et la preuve, c'était vraiment bien. Et puis, autre bonne nouvelle, Marseille a perdu à Rennes. Marseille qui est troisième. Donc voilà, ça c'est aussi la bonne nouvelle du soir. Hein. Qu'ils soient déjà deuxième, et ben ils sont troisième maintenant. Et j'espère vraiment qu'ils finiront à la troisième, voire quatrième. Parce que voilà, s'ils perdent contre Strasbourg et que Rennes gagne le match, ils sont quatrième. Quatrième même pas en Ligue des Champions. Donc voilà. Mais en tout cas, passons, parlons d'un vrai club, le PSG. Bravo ce soir, les gars, vous avez assuré. Fier de vous. Vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. Et puis, gros respect à toi, André Di Maria. J'espère vraiment que le club va te prolonger parce que tu mérites de rester. Tu es un grand joueur. On t'aime. Di Maria, homme du match ce soir. André, homme du match. Pour moi, tu es l'homme du match. Tu as été exceptionnel. Même si Kylian fait deux passes d'aise, il marque un but. Pas pour moi, je mets Di Maria. Pour son activité, ses replis défensifs, le mouillage de maillot. Il triche pas, ce mec. Bravo, Di Maria. Et Bernat, exceptionnel aussi. Allez, salut les amis. Abonnez-vous et likez. Salut les amis. Et vive Paris!